Et c'est parti, nouvelle saison donc de la team de compétition. Ça fait un moment que qu'il n'y a pas eu de compète, hein. Depuis novembre, la fois dernière, c'était le Mister Univers en Belgique. On reprend aujourd'hui avec le Grand Prix de l'Hexagone, un Grand Prix organisé par la FFFCN et qui a lieu aujourd'hui. Donc c'est un peu en dessous de Paris, donc on a un petit bled, mais bien organisé. On a un nouvel athlète dans la team, il s'appelle Franck. Franck, il a une histoire intéressante. Ça fait des années que je le connais, près d'une dizaine. Et Franck, c'est un athlète vraiment investi, qui se donne à fond et puis qui n'a jamais vraiment eu le résultat qu'il voulait, puisqu'il a sorti toujours un physique qui n'était pas en adéquation avec son travail. Et là, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et aujourd'hui, je suis content de vous le présenter. Il a un physique vraiment complètement changé et j'espère qu'il va faire un bon résultat, qu'il va prendre surtout du plaisir sur scène. Je suis parti comme d'habitude avec mon couteau suisse Sandy. On est arrivé hier soir, donc je vous ai épargné la route. Ça s'est bien passé, hein. Là on est arrivé à la compète tranquillement. Comme d'hab, pesé, et après une fois qu'on est pesé, les athlètes ils attendent. Et le coach, il fait sa vidéo et puis il va aller remettre de l'essence pour la route du retour. Donc là, pareil, hein, je vais te faire vivre l'aventure et puis c'est la première compète, hein, sachant qu'il y en a vraiment pas mal au compteur. Il y a celle-ci, il y a Colmar la semaine prochaine, il y a Beauvais la semaine d'après. Et puis on verra ce qui va s'ajouter par la suite. Pareil, je te fais vivre l'aventure, n'hésite pas à liker, commenter, puis à t'abonner, hein, comme d'hab. Et puis c'est parti pour la nouvelle saison de compétition. Go! Ils sont sérieux les juges. Alors ici. Comme ça, je m'écarte de couper les deux chiffres. Certif, parfait. Alors. Ouais. Il y a pesé aussi, hein. Tu fais du body 13. Aussi toi. Ouais, mais je fais que vintage. Vintage, donc pas besoin. Double biceps. Dorsaux de face. Biceps cage. Double biceps de dos. Dorso de dos. Faut passer, hein. Biceps profil. Triceps, excuse-moi. Fatigue. Cuisse abdo. Jambe. Et on revient en corrigé. Parce que je crois que vous la connaissez pas, elle n'est pas régionale de l'étape. Je vais vous la présenter. Elle s'appelle Sandy. Ouais.
votre droite, position corrigée. C'est leur première compétition. On les retrouvera tout à l'heure dans leur catégorie. Et elles ont besoin de vos encouragements pour venir jusqu'à la ligne de compétition. Je vais vous demander d'abord une première fois de venir sur la ligne de compétition. Elle est ici. Est-ce qu'elles vous plaisent? Alors je me suis renseigné, elles sont toutes pariées. C'est bon. Et face au public, tout le lycée. Hey, prof! Allez, Franck! Allez, Franck! Super! Tous les athlètes, là je ne les vois pas tous, mais il y en a qui sont peut-être déjà changés. Tous les athlètes sur scène. Je vous demande, s'il vous plaît, maestro, la musique, les athlètes, je vous demande de remercier la commune, le 3CBO, les gens qui nous ont reçus, l'accueil que nous avons eu. C'est grâce à vous que vous êtes là avec des sourires sur un si beau podium, un si beau gymnase, et j'espère que vous en rappellerez. Certains m'ont dit qu'ils ont vu des petits chemins de malade pour cet été. Vous pouvez y venir, vous serez très bien accueillis. Je vous donnerai l'adresse à Steven. Et... Le numéro 24. À la troisième place, Cyril Cornillon.
place. Le numéro 15, Franck Cassé. Choix à la première place, le numéro 57, et qui remporte la coupe de l'Hexagone. Et voilà, donc on est sur la route du retour avec l'ami Franck qui a fini le taf. Donc Franck, comment tu as vécu ta compétition aujourd'hui? Donc compétition nickel, pas de fatigue, aucun stress. Jérôme a été à l'écoute de moi, aussi bien pour l'échauffement que pour les recharges. Vraiment, ça a été du nickel, du travail propre. Et je l'en remercie très très fort. Et même peut-être même pas assez tête. Eh si si, t'inquiète. C'est bien gentil de dire ce que tu penses. Et puis on a passé une bonne journée, c'était bien organisé. C'était un bon moment. En plus, on était avec notre couteau suisse national. Hein. Regardez-moi ça. Regardez, Schweppes, Rapp, enfin, voilà, ça c'est sa diète à l'année, c'est une catastrophe, quoi. Insortable, c'est pour ça que je peux pas la gérer moi, mais par contre elle nous aide bien, aujourd'hui elle a fait encore une fois son multitâche, multifonctionné, et voilà, donc c'était la première compète, bah, du coup il y a la suite c'est donc samedi prochain à Colmar, et plus d'autres aventures qui vont suivre. Donc là, j'espère que ce petit passage, ça t'a plu. Et puis, bah, comme d'hab, hein, tu mets un petit like, un petit abonnement. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!